stylé. Ah. Oh, c'est le jour du tournoi. Félicitations, tu as réussi à arriver à l'heure aujourd'hui. C'est assez surprenant venant de toi, mais ça fait plaisir. Je sais quoi, il pouvait arriver en avance en cours aussi. Ça n'arrivera jamais. La seule chose qui lui importe, c'est Valtrieck. Ça oui, évidemment qu'il n'y a que lui. Je suis surexcitée. J'ai trop hâte d'être au prochain combat. C'est Chou qui se bat aujourd'hui, pas toi. Et ouais, tu ne savais pas, tu t'es levé tôt pour rien. Bonjour mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à tous pour ce deuxième jour du troisième round du tournoi des districts. Le premier bladeur à entrer en piste n'est autre que Chou Kurenai, le grand favori de ce tournoi. Et il est face à Atsuto Takagi qui n'a remporté qu'un seul combat jusqu'ici. Chou! De son adversaire est de type attaque. Et Storm Sprisen de Chou est un type équilibre, donc il n'aura aucun avantage. Mais il n'aura aucun inconvénient non plus. C'est vrai, et les toupies de type équilibre sont celles qui ont le plus de différence entre elles. Je ne savais pas. C'est vrai. Regardez, il a raison le nouveau, elles sont complètement différentes. Sprisen est une toupie qui n'a pas de point faible particulier. Elle a été améliorée par rapport aux défauts des trois autres types. Waouh, c'est génial! Et encore, je ne vous ai pas tout dit. Regardez-la, comparée aux forces de son adversaire, la défense et l'endurance. Elle est plus faible dans tous les domaines! Avec une toupie comme Sprisen, heureusement que Chou a un talent de malade! C'est ça qui lui permettra de gagner! Ah! D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on dit que les toupies choisissent leur blader et pas l'inverse! Cette toupie ne pouvait pas mieux tomber pour Chou. Tu l'as dit, ce sont des partenaires parfaits, un peu comme moi et mon Valtrieck. Cette toupie est complexe, elle met à l'épreuve les compétences du blader. Espérons que Chou a ce qu'il faut pour remporter ce combat. Chacun a eu le temps de jeter un coup d'œil à la toupie de son adversaire. Il est temps que le combat commence. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont aussi impatients que moi dans la salle? Premier combat! Je n'ai aucune idée de ce que vaut ce joueur-là, mais partons du principe qu'il est bon. Car tout est possible dans un combat de Beyblade. À vos marques, prêts! 3, 2, 1... Hyper vitesse! Storm Sprisen tourne à la vitesse maximale au centre de l'arène. Et face à un type attaque, j'imagine qu'il se prépare pour un chaos par dernier survivant. Oh! Je crois que j'ai parlé un peu trop vite. Son adversaire a décidé de passer à l'offensive. Waouh, c'est déjà très intense! Maintenant, il se lance à la poursuite de Sprisen! J'ai réussi! Attention! Maintenant! J'y crois pas! Comment a-t-il réussi à changer de sens comme ça? Ouais! Sprisen lance un assaut sans pitié! Comment est-ce qu'il arrive à se déplacer comme ça? On dirait qu'il arrive à penser par lui-même. Il disparaît et réapparaît à souhait. Chaos explosif! Deux points pour Storm Sprisen! C'est une victoire écrasante pour Chou Kurenai! Je le savais, t'es un plaideur incroyable, Chou, je te l'ai toujours dit! Je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais c'était extraordinaire! Ouais, ça peut aller, c'était pas trop minable pour une contre-attaque. Ouais, tu as raison, et moi ça m'a filé une sacrée chair de poule. Alors c'est ça que tu es comme animal, une espèce de poule? Hein? Je suis pas une poule, si. Il faut que j'y arrive, ce combat m'a gonflé à bloc, j'ai trop hâte d'affronter Chou en finale. Hyper en ressous. Ça fait deux points avec deux KO par dernier survivant, deux anneaux. Félicitations petit, tu es sélectionné pour le quatrième round. C'est Oji Kanda, c'est ça? Avec son Oresud. À première vue, il a l'air d'être un blader très ennuyeux. Comme quoi, il ne faut jamais se fier aux apparences. Bonne chance. Notre prochain concurrent est Wakia Murasaki. Jusqu'à ce jour, il a écrasé tous ses adversaires. Il a gagné chaque combat 2 à 0. Il a amené une machine fumigène avec lui. C'est qui, Steve? Non, mais qui fait encore ça aujourd'hui? Reste simple, mon gars! Ça m'est déjà arrivé de le croiser à l'école.
Mais jamais j'aurais cru que c'était un blader, lui. Et pourtant, c'est l'un des grands favoris pour la victoire. Cool, j'irai lui demander s'il veut rejoindre le Beyblade Club. Ne te fatigue pas. Hein? Crois-moi, ce type a déjà formé sa propre bande. Hein? Dans ce cas, son équipe toute entière n'a qu'à nous rejoindre, car plus on est de fous, plus on rit, pas vrai? Bon courage. Wildrun vient de gagner un point avec un KO par dernier survivant. Ah ouais, il est fort. Que le deuxième combat commence. Allez, vas-y. L'attaque de l'adversaire ne déstabilise même pas Wildrun. Wow! Il vient de l'envoyer valser dans les airs. La vitesse de rotation de l'adversaire diminue. Victoire du dernier survivant! Victoire parfaite! C'est ce que j'appelle une défense sans défaut! Waki Amurasaki est sélectionné pour le quatrième round! Bien joué, petit! Félicitations! Hé, hey, les gars! J'ai trouvé ça incroyable! Ouais! Est-ce que vous avez vu ça? Pourtant, il n'a pas l'air très content d'avoir gagné. Mmh. Il a peut-être peur de se déboîter la mâchoire en souriant, qui sait? Très drôle. Je me demande ce qu'il a. Les choses deviennent intéressantes. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, champion? À ton avis, tu peux pas faire attention où tu mets ta tête? Moi, j'ai la tête bien remplie, pas comme toi. Pourquoi tu cherches toujours à me blesser? Tout le monde nous regarde. J'espère que je suis bien coiffé. C'est lui, Valtaoï. Il a l'air fort, ça t'inquiète? Il a du talent, ce petit. Je me fiche de qui il est, c'est pas un problème. Il n'est rien de plus qu'un désagrément pour moi. C'est nous! Hé, hey, maman! On s'entraîne encore aujourd'hui? Salut, Valt. Tu as passé une bonne journée? Oui, allez, on s'y met! Aujourd'hui, nous allons passer à l'entraînement le plus important. Hyper vitesse! Lancement! 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 C'est bizarre de dire ça quand on fait du jardinage. Oui. Le jardinage est la meilleure façon d'améliorer ses techniques de lancement. Hein? C'est bien, continue comme ça! Lancement! 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 Maman, t'aurais dû voir chaud aujourd'hui, il a été exceptionnel! Oh! Il a fait tada! Et après... Bim, boum, zing! Et après, sérieux, personne n'aurait pu le battre. Oh, au fait, maman, en ce moment, je suis en train de créer un Beyblade Club à l'école. Pour l'instant, on n'est que 4 membres, mais dès qu'on sera 5, l'école m'a promis de faire de nous un club officiel. Tu n'oublies pas quelque chose? Hein? Mon entraînement! Lancement, 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 lancement. Voilà. Bon, j'ai un peu de courbature, mais je sais que ça en valait la peine. Allez, ça doit pas être si compliqué de faire une super pancarte. Tada! Elle est pas trop cool, mon idée? Niveau calligraphie, c'est pas trop ça, mais bon. J'ai du mal à lire ce que t'as écrit. Sérieux? Moi, je trouvais ça plutôt réussi pour une première tentative. Si tu ne veux pas être déçu, ne vise pas trop. Et dire qu'on me reproche de ne pas avoir une jolie écriture! Voilà, je vous présente le Beyblade Club. C'est aussi moche que celui de Valt. On dirait qu'on a deux petits Van Gogh parmi nous. On devrait éviter de se lancer dans une carrière de peintre. Je ne mettrai même pas ton tableau dans mes toilettes. Moi, au moins, j'ai peint une œuvre d'art. Quoi? Ça y est, il recommence. T'as pas un peu l'impression qu'on fait du babysitting avec... On est plus vieux que toi, je te signale. C'est ça qui fait peur. Vous n'avez rien de mieux à faire? Vous pensez vraiment que vous êtes si bon que ça pour vous contenter de vous asseoir à ne rien faire? Tu ne devrais pas t'inquiéter pour moi. Peu importe le type de toupie que je vais affronter, j'ai Valtriek à mes côtés. L'humilité, c'est ton truc, à ce que je vois. Répète un peu ça! J'ai rien dit! Allez, on y va! Le problème de la propulsion éclair, c'est qu'elle a un point faible. Elle est parfaite! T'essayerais pas un peu de te moquer de ma technique à tout hasard? Son point faible, c'est quand tu commences à perdre ton sang-froid. Oui, souviens-toi, quand Daigo te l'a fait remarquer, ça t'a fait perdre tous tes moyens. Tu n'as pas su garder ton calme, c'était très drôle. Répète ça pour voir! La propulsion éclair est géniale, mais elle ne t'est d'aucune utilité si tu ne gardes pas le contrôle de toi-même. Tu courras tout droit vers la défaite. Tu as raison.
Voltriac. C'est l'heure de l'entraînement. Quel genre? Pour atteindre le sommet de ta concentration, il faut que tu regardes ta peur droit dans les yeux. J'ai une idée. Tu es prêt? Tu parles que je suis prêt? C'est parti! Pense à ce qui te rend heureux, des papillons, des bébés chiens, n'importe quoi! Excellent! Génial! Maintenant, je vais pouvoir garder mon calme, quelle que soit la situation! Exactement! Ce n'est pas pour me vanter, mais moi, j'ai juste à fermer les yeux et bim, j'y arrive! Je visualise des millions de tacos! Moi aussi, je veux voir ça! Allez, viens, on s'y met! Vas-y, je te suis! Ça y est, maintenant, ils sont copains comme cochons. Ouais, je vois ça. À vos marques! Prêt? 3, 2, 1! Reste concentré sur ton combat, d'accord? J'essaie! Hyper vitesse! Essaie de garder ton calme, c'est le but de l'exercice. Ce serait sympa que vous me fassiez plutôt des critiques constructives! Mais t'inquiète pas, on te soutient quand même, t'es notre grand frère! Allez, on recommence! Ok, je suis prêt! Tu arrives super bien à garder ton calme, chapeau! Allez, il faut pas que ça m'atteigne! Ne l'écoute pas, ressaisis-toi, calme-toi! C'est l'heure de la finale, Gilly Gilly! Allez, Valt, calme-toi! Joli lancé, mon pote. C'est une façon de voir les choses. Mais y un peu du tien. La 20e fois sera la bonne. C'est pas vraiment ça, le proverbe. J'espère que tu vas pas encore te planter cette fois-ci. Ne lui porte pas la poisse. T'allais là, c'est défait. Arrêtez. Je suis vraiment désolée, Voltriac. Wakia. Oh, salut. Je savais pas que t'étais là. Tu dois être là pour rejoindre le Beyblade Club. Génial. Je te souhaite la bienvenue dans notre... Non. Pourquoi est-ce que je m'inscrirais dans un club aussi pathétique? Tu m'as pris pour qui? C'est quoi son problème? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici, dans ce cas? Il s'est perdu. C'est bien ce que je pensais, Valtaoy. Tu n'as aucun vrai talent. Ce n'est qu'une question de chance si tu as réussi à en arriver là. Le seul capable de me défier, c'est Shukurenai. Personne d'autre. Hey, salut. Et félicitations pour le tournoi. Je vois pas pourquoi tu me félicites, on en est qu'au 3e round. Et puis de toute évidence, je vais gagner. Ah, bien dit. Tu veux t'entraîner, Oji? Ouais, allez. Tu vas être fier de moi, papa. Je vais te montrer comme je suis devenu fort. Je vais gagner. À coup sûr. Il n'existe pas une seule toupie au monde capable de vaincre Wyvern. Shindo, Sasaki, prenez une toupie type équilibre. Ok. Il faut que je me prépare le plus possible avant d'affronter Spryzen. C'est parti. Bim, prenez-vous ça. Je n'ai pas de temps à perdre avant mon combat contre Shu. Vous êtes deux contre un dans ce combat, alors montrez-moi de quoi vous êtes capable. Avec les toupies, vous aurez de la chance jusqu'à un certain point. Mais ensuite, la chance ne suffira plus. Allez, les gars, vous êtes déjà fatigués? Non. Hyper vitesse! Regardez-le échouer. On ne peut pas être de la même famille que... Oh, ils n'ont pas osé dire ça! Taisez-vous, ça suffit! Il est près du bord. C'est très amusant. Tu vas complètement te planter. Elle a toujours raison, tu sais. Depuis quand elle est aussi intelligente? Encore des gens qui m'apprécient à ma juste valeur. Hein? Et encore un mauvais lancer. Ça fait une plombe qu'on travaille là-dessus et ça ne donne toujours rien. Désolée de t'avoir détourné l'attention. Tu nous en veux? On voulait juste que tu restes concentré, c'est tout. Eh, hey, j'ai l'impression que Voltriac tourne plus vite. Hein? Comment ça, il tourne plus vite? Comment tu peux affirmer ça? C'est l'impression que j'ai eue en le regardant. Dans ce cas, on va réessayer. Ok. Et cette fois-ci, pas de théâtralisation, d'accord? Mettons-nous en retrait et laissons une chance aux petits. C'est exactement ce que je voulais dire. À vos marques. Prêt? 3, 2, 1.
regarde. Sa trajectoire est complètement différente cette fois. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Tu t'es préparé comme pour faire une propulsion éclair. Je ne l'ai jamais vu se déplacer comme ça. Quelqu'un peut m'expliquer? C'était quoi comme lancement exactement? Hé, hey, Chou, t'as vu ce qu'il vient de se passer? Comme ma toupie s'est déplacée malgré mon lancement loupé? Ouais. Sauf que là, tu ne t'es pas planté comme d'habitude. Il y a eu quelque chose de différent. Sans blague, Sherlock. Et quoi exactement? Inutile de me surnommer comme ça. Je suis intelligent, mais pas brillant. Sur un autre ton, s'il te plaît. T'es pas obligé d'être blessant. Ça va, détends-toi. Je plaisantais. Avoue que tu ne plaisantais qu'à moitié. La vitesse de rotation. Vas-y, explique-nous, on t'écoute. Eh bien, on était tous concentrés sur les nouveaux mouvements de la toupie, mais sa vitesse de rotation était plus élevée que d'habitude. Attends une seconde, la vitesse de rotation d'une toupie dépend bien de la vitesse à laquelle on tire la corde du lanceur. C'est exact. Si on tire vite sur la corde, la toupie tournera beaucoup plus rapidement, mais il faut avoir beaucoup de force pour y arriver. C'est vrai que j'ai fait pas mal d'exercices. Et ça se voit. Non mais sérieusement, tu penses qu'il y est arrivé à cause de son entraînement? Oui, j'en ai bien l'impression. Ah oui, ça vient bien de son entraînement spécial. Vous me remercierez plus tard pour ce programme de distraction dont j'ai déposé le brevet. Désolé de te décevoir, mais la seule contribution que tu as apportée n'était pas très efficace. En y réfléchissant, on peut dire que tu t'es pris un échec monumental. Donc c'est l'entraînement de maman qui a marché. Oui, on dirait. Voltriac a réussi, on a inventé une nouvelle technique qui sera gravée dans l'histoire. On dirait que tu es parvenu à recruter 5 membres, et chose promise, chose due. Principal Shinoda. Bravo, je savais que tu y arriverais. En ce qui concerne le Beyblade Club de Begoma, j'aimerais officiellement... Non ! Attendez une minute ! Chou n'est pas encore membre, donc pour l'instant, nous n'avons que 4. Tais-toi, enfin ! Techniquement, il n'a pas besoin de savoir que Chou ne fait pas partie du club. Toujours aussi honnête, ce Valt. Une arène de Beyblade ne ment jamais. Vous vous êtes beaucoup investi pour faire de ce rêve une réalité, les enfants. Et je comprends pourquoi. Il existe un lien particulier entre vous et vos toupies respectives. Bien. Je crois que j'ai compris où il veut en venir. Tant mieux pour toi, moi non. Le Beyblade Club est officiel même s'il ne compte que 4 membres. Je suis d'accord pour officialiser votre club. Ah ouais! Cependant, cette mesure n'est que temporaire. Ça ne deviendra un club officiel de l'académie qu'une fois que vous aurez confirmé qu'un 5e membre s'est inscrit. Ouais! On fera tout ce qu'il faut pour y arriver. On trouvera un 5e membre et le Beyblade Club sera officiel pour de bon. C'est génial. Prochain adversaire est Oji, mais il dit qu'il va déclarer forfait. J'avais tellement hâte d'être à ce combat. Je ne laisserai pas se tirer d'affaires comme ça. Il faut que je maîtrise ma nouvelle technique. Dans le prochain épisode de Beyblade Burst, la propulsion flash, c'est super rapide. 3, 2, 1, hyper vitesse! Venu de loin pour...